tout cas, Guilavogui Mohamed, Amidou Traoré, El Hadi Hervé, Koufi Kouakou, et suit la trajectoire. Soumaïla Ouattara. Soumaïla pour Cyril. Cyril qui met en profondeur pour Ilias. Tigui Diara. La tête de renvoi. Maxime Ouattara. Attention. Le jeu il est aérien. Il faut donc essayer de poser le jeu. Partie de ce match entre les Aiglons du Mali et les Étalons juniors du Burkina Faso. Et c'est le Mali qui va l'aborder avec Adama Traoré. Ah non, c'est Saliou Guindo plutôt. Mais qui n'arrive pas à reprendre ce ballon. Suit la trajectoire. Soumaïla Ouattara. Soumaïla pour Cyril. Cyril qui met en profondeur pour Ilias. Du Canada. Il s'agit donc ce garçon qui est sur le banc, Baka Sissoko, lui vient de Toronto au Canada. Et puis un autre garçon qui est sur la pelouse, Adama Traoré, lui il vient de Lille. Et puis ben, un autre joueur encore, Youssouf Koné. Et puis l'autre qui vient de Monaco, il s'agit de Cheikh Keïta. En tout cas, les premières minutes seront très importantes pendant ce temps. C'est les étalons Hamid, la première faute malienne. Alors, il faut prendre ses repères sur cette pelouse. Hein. Et puis après pouvoir sans doute véritablement mesurer hein, la qualité de l'équipe malienne. Et puis après quoi, on saura à quoi s'en tenir. Faut... L'équipe burkinabé, alors que Balamine Sangaré va concéder la remise en jeu pour les Maliens. Amidou, et ballon rapidement perdu, Balamine. Et la touche à présent pour les étalons du Burkina Faso. Est-ce que c'est une surprise de ne pas voir un garçon comme Zakaria Sanogo annoncé à grande pompe dans ce round de départ de Sidi Nabon? Bon, on peut dire que c'est une petite surprise. Finalement, c'est encore la défense. Soumaïla. Ah oui, tourne sur lui-même. Faisal. Ah oui, Faisal qui est le dépositaire technique hein, de cette la défense des étalons. Soumaïla. Ah oui, Amine. Mieux un peu cette équipe malienne, mais je pense que Sidi Napon devra donc insister sur le jeu en ras du sol parce que c'est là où quand même les étalons peuvent exceller. Parce que le jeu aérien, c'est pas vraiment le fort hein, de cette équipe des étalons juniors. Donc il va falloir éviter de débalancer les balles et puis ben, poser simplement le ballon et puis ben, pourquoi pas. Manquer de conviction, il ne faut pas se presser. Il y a encore du temps pour refaire le retard et même prendre les devants. Et il faut ainsi filer. Tout à fait, la signature. Il faut le dire, c'est lui le capitaine, c'est lui le dépositaire technique. Et il faut être actrice, il faut chercher à assurer que de vouloir se mettre soi-même en évidence. Cyril. Ah oui, il se bat bien ce garçon pour le moment. Bravo, garçon. C'est la Confédération africaine. Ouais. En phase de poule quand même. Ouais. Parce que tout le monde parle bien de ce football burkinabé. On dit que c'est un football qui évolue. C'est un football qui est en train d'émerger. Mais au niveau des clubs,
ça stagne un peu. Ils sont bien en place, bien regroupés dans leur camp. Et les étalons qui ont des contrôles difficiles. Et lorsqu'une équipe est bien regroupée comme ça, chers amis, il faut avoir le contrôle juste. Il ne faut pas que le ballon s'éloigne trop du pied. Voilà, c'est bien joué pour Malamine. Les Maliens qui veulent presser haut. Hamid qui commence à venir chercher. Rapidement joué. Hamid à nouveau. On va trouver Faisal. Ouais, Faisal. Déplacement du côté de Ouagadougou. En tout cas, pour le moment, les étalons sans Bertrand Traoré qui. Et avec Zakaria Sanogo et Faisal Ouedraogo ont du mal face à cette équipe malienne. Les Maliens et qui cherchent à faire le break dans cette partie à présent. Ils essaient d'exploiter au maximum.